Bon, merci beaucoup, Pasteur Obed. Donc, nous bénissons également tous les bien-aimés qui se sont déplacés pour que nous puissions ensemble partager la parole. Et nous bénissons également tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent à partir de la maison. Donc, il s'agit d'une séance de partage. Ce que j'ai toujours appelé le ministre face au peuple, qui est notre troisième édition, édition autour de laquelle nous répondons aux questions. Donc, nous pouvons ouvrir les portes pour recevoir toutes les questions que vous pouvez avoir, mais comme vous savez, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. Donc, pendant que je serai en train d'exposer, si quelqu'un a une question, il suffit d'écrire la question sur le chat de la conversation. Comme ça, certains bien-aimés vont récupérer la question, ils nous feront parvenir afin que nous puissions répondre. Donc, le plus vite serait le mieux, parce que vous savez que la dernière fois qu'on a organisé une telle séance, nous sommes restés pendant plus de 5 heures. Alors aujourd'hui, nous ferons tout au plus 2 heures, 2h30 pour finir, parce que nous avons d'autres programmes après. Et nous croyons que le partage, l'enseignement ne prendra jamais fin. Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous continuerons toujours à partager la parole du Seigneur. Le thème que nous nous sommes choisis, donc, c'était premièrement comprendre l'œuvre de la croix, c'était le combat spirituel, c'était le péché contre le Saint-Esprit, et nous pourrons également ouvrir une petite brèche à propos de mariage et de divorce, parce que nous avons également reçu beaucoup de questions. Mais dans mon exposé, ce que je vais devoir faire, c'est juste tracer les grandes lignes, pour que, à partir de ces grandes lignes, que nous puissions aborder les questions que nous pouvons avoir. Donc, bon, commençons d'abord par circonscrire ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. Il faut comprendre que lorsque l'Éternel crée l'homme, il place l'homme dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez les textes de Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas créé l'homme à l'intérieur du jardin. Il a donc créé l'homme en dehors du jardin. Et ensuite, la Bible dit que l'Éternel va donc prendre l'homme, il va venir les placer dans le jardin d'Éden. Donc, avant de placer l'homme, Dieu avait déjà préparé tout dans le jardin. Il a fait toute la création, il a créé les animaux des champs et les animaux aquatiques, les animaux qui volent, tout a été créé. Donc, l'homme était comme la dernière création de Dieu. Et si Dieu va venir placer l'homme dans le jardin, nous n'entrons pas dans l'explication prophétique de ces choses. Une fois que Dieu place l'homme dans le jardin, vous savez, Dieu, en créant, il a aussi créé ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal était à l'intérieur du jardin. Alors Dieu vient, il dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ces fruits-là, tu n'en mangeras point. C'était la loi que Dieu avait donnée à Adam. Mais vous savez, j'ai toujours voulu lire une écriture dans Romains, en tout cas si je ne me trompe pas. Il y a une écriture dans Romains qui nous renseigne sur quelque chose de très important. Je crois que le frère Paul dit que n'eût été la loi, je n'aurais pas connu le péché. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Donc, bon, si un serviteur de Dieu trouve l'écriture, il peut également me le faire parvenir.
où le frère Paul explique que donc c'est par la loi que j'ai connu le péché. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas donné la loi, l'homme n'aurait donc pas connu le péché. Hein? Donc, c'est cette écriture-là que je cherche, je crois qu'il est dans les livres des Romains. Donc, à moins que je ne me trompe, mais je crois qu'on peut trouver cette écriture-là. Donc, c'est Romains, chapitre 7, dit-on, le verset 7. Chapitre 7, verset 17. Bon, nous prenons Romains chapitre 7, le verset 7. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc, le frère Paul explique que, en fait, la loi n'est pas mauvaise. La loi n'est pas un péché. Mais c'est au travers de la loi que l'homme a connu le péché. Donc ici, nous parlons au fils de la maison. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas mis la loi dans les jardins d'Éden, l'homme n'aurait jamais péché. Curiosité de l'homme. Et nous disons que Dieu a fait ça à dessein, parce que le souci de Dieu était que l'homme puisse pécher. Bon, je sais que ça va scandaliser un peu beaucoup de gens. Comment Dieu voulait que l'homme puisse pécher? Parce qu'il y a encore une écriture dans Apocalypse qui dit que l'agneau de Dieu a été immolé bien dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même qu'on fonde le monde, l'agneau de Dieu, Dieu l'avait déjà immolé. Or, nous savons que l'agneau est immolé à cause du péché. Mais comment voulez-vous que, alors que Dieu, l'homme n'avait pas encore péché, mais Dieu avait déjà prévu que l'agneau devait mourir. C'est ici que nous expliquons le plan de la rédemption. Donc, l'homme pêche. L'Écriture dit, Dieu fait un habit en peau d'animal. Et Dieu chasse l'homme du jardin. Malgré le fait qu'il avait couvert la nudité de l'homme, Dieu l'a quand même chassé du jardin. L'homme va donc se retrouver en dehors du jardin. Quand il se retrouve en dehors du jardin, le souci de l'homme était de revenir. C'est ce que Dieu a dit lui-même. Il dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le d'aller mettre la main sur l'arbre de vie. Donc, Dieu savait que le fait que l'homme a péché, le péché dans l'homme lui donnera le désir de rechercher la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu dit. Donc, maintenant qu'il est devenu comme l'un de nous en péchant, en connaissant le bien et le mal, nous allons l'empêcher d'aller toucher à l'arbre de vie. Donc, ce désir-là d'être écarté de Dieu fait en sorte que Adam devait avoir en lui les soucis de revenir. C'est pourquoi nous avons toujours dit, un enfant de Dieu, quand il pêche, il doit sentir en lui l'interpellation de revenir. C'est-à-dire que dès qu'il s'éloigne de Dieu, comme il était enfant de Dieu, les soucis de revenir vers Dieu doivent être dans tout enfant de Dieu. Vous pouvez prendre cet exemple-là dans l'enfant prodigue. Il a pris les biens de son père, il est allé dilapider. C'est aussi le mouvement d'Adam. Il sort du jardin. Mais pendant qu'il était dans le péché, il se souvient de la maison de son père et il trouve le désir de rentrer. Maintenant, Dieu savait que l'homme, dès qu'il est en dehors du jardin, il aura envie de rentrer. C'est pourquoi Genèse dit, Dieu mit dans l'entrée du jardin, deux chérubins avec une seule épée. Il faut bien lire l'écriture. Les deux chérubins n'avaient pas deux épées. Les deux chérubins, je ne sais pas comment ils ont fait des chérubins là, mais ils n'avaient qu'une seule épée. Donc deux anges qui tiennent une seule épée. Ça, on peut les expliquer dans l'interprétation des écritures. Et l'épée était flamboyante
pour empêcher Adam de rentrer. En d'autres termes, si Adam essaie de rentrer, il doit mourir. Parce que l'épée était à la porte du jardin. Maintenant, dans la prophétie des Écritures, Dieu s'est trouvé quelle est cette personne qui peut accepter de traverser cette porte-là. C'est-à-dire d'accepter que l'épée des chérubins puisse les frapper. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus dit, toutefois, Père, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que moi, j'accepte de porter les péchés de l'humanité, de traverser cette porte-là, afin que l'épée des chérubins puisse me frapper. Une fois que cette épée frappera et que le sang coulera, la colère de Dieu s'abaissera, alors nous pouvons rentrer dans le plan de la rédemption. C'est exactement ce qui s'est passé sur la croix. Donc sur la croix, en d'autres termes, Jésus-Christ a pris notre place, parce que la Bible dit que c'est dans Adam que nous avons tous péché. Maintenant, il fallait qu'il y ait un second Adam, et le dernier, qui nous ferait rentrer dans sa maison. C'est ça exactement l'œuvre de la croix. Donc, vous avez déjà des appels? Donc, dis-lui dans 5 minutes, tu pourras rappeler. Donc, ça c'est le premier élément. J'ai tracé les grands tableaux. Nous reviendrons dans les partages. Deuxième élément, c'est sur le combat spirituel. Je continue à dire, je continue à préciser, le combat spirituel n'est pas la multiplication des mots. Le combat spirituel, ce n'est pas la guerre. Le combat spirituel, ce n'est pas parce que tu le veux. Il y aura plusieurs éléments dans la Bible. La Bible dit que celui qui combat pour nous, c'est l'Éternel. Je suis dans les livres de Exode. Il dit aux enfants d'Israël, restez calmes. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Et j'ai toujours précisé que pour que l'Éternel combatte pour toi, il faut premièrement que tu sois fils de Dieu. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Donc, le premier élément du combat spirituel, vous comprenez, c'est la conversion. Donc, tout homme qui n'est pas converti, il ne peut pas prétendre qu'il fait un combat spirituel. En tout cas, ce n'est pas le combat de Dieu. Pour que ce combat-là soit un combat spirituel, parce que c'est toujours Dieu qui combat pour son peuple, alors il faut premièrement que vous soyez le peuple de Dieu. Et la seule manière, la voie unique pour devenir peuple de Dieu, il faut sortir de l'Égypte. Tant qu'on est encore dans l'Égypte, l'Éternel ne peut pas combattre pour vous. Donc Dieu fait en sorte que tu sors d'abord de l'Égypte, ensuite il va combattre pour toi. Les autres éléments, nous allons les expliquer. S'il y a des questions pratiques, nous allons y revenir. Le péché contre le Saint-Esprit. Je voudrais préciser que la Bible dit ceci. Je crois que souffrait que nous trouvions cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit que tout péché que vous ferez contre les fils de l'homme vous sera pardonné, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. C'est cette écriture-là que je cherche. Donc, si vous pouvez également me les trouver. Oui, péché contre le Saint-Esprit. Il y a une écriture qui dit que tout péché contre les fils de l'homme va être pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Ok, Marc chapitre 3, le verset 29. Voilà. La Bible dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc, on dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, celui-là, il ne peut plus obtenir la miséricorde. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Il faut réaliser que depuis Adam jusqu'à Jésus sur la terre, jusqu'à ce qu'il monte sur la croix, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il est vrai que l'Esprit de l'Éternel existait, il se saisissait des prophètes.
Mais les dons du Saint-Esprit n'est venu que après la résurrection de Jésus. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand on pose à Jésus la question, qu'est-ce que c'est à Pierre? Pierre répond, c'est Joël 2 qui s'accomplit. C'est-à-dire Joël qui avait dit, l'Esprit de l'Éternel sera répandu sur vos fils et vos filles. L'accomplissement, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est autour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Bon, dans les questions, on va revenir. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Comment on pêche contre le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qu'on entend par tu es coupable d'un péché éternel? Donc, pour ne pas monopoliser la parole, pasteur, donc, j'ai dressé là les grandes lignes des thèmes que nous voulons aborder. Maintenant, nous allons laisser la place aux questions, s'il y en a, afin que nous puissions répondre aux questions. D'accord. Merci, pasteur, pour l'exposé. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions déjà au niveau de la salle. On va commencer par ceux qui sont dans la salle. Merci dans les commentaires. Alors, vous pouvez également mettre vos questions dans les commentaires. Et pour ceux qui voudront peut-être être anonymes sur certaines questions, vous pouvez écrire sur le numéro WhatsApp qui est affiché. Donc, plus 1, 8, 7, 3, 2, 8, 8, 3, 1, 1, 9. J'espère que nous voyons très bien le numéro qui s'affiche. Donc, voilà, l'heure est venue aux questions. Mais il y avait quelqu'un qui avait appelé. Il dit, c'est bas. Ok, c'est bon. Bon, j'espère qu'il vérifie également le volume également de son, okay. De son téléphone. Le frère Lim a dit, nous voulons appeler pour les questions. Vous pouvez appeler sur le numéro 1. La ligne est ouverte en tout cas. Le numéro n'est pas clair. Donc, on peut écrire le numéro dans les chats, oui. Pour que quelqu'un puisse... Frère Giret, tu peux écrire le numéro sur les chats. Le numéro, c'est plus 1, 8, 7, 3, 2, 8, 8, 3, 1, 1, 9. Donc voilà. Voilà, vous avez le numéro. Donc comme nous sommes au Canada, vous mettez plus 1 et vous pouvez appeler sur WhatsApp. On pourra également vous entendre en direct. Dans l'entretemps, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a une question. Nous pourrons également prendre les questions qui sont dans la salle. Oui, nous rappelons, le thème, c'est l'œuvre de la croix, le combat spirituel, le péché sur contre le Saint-Esprit, mariage et divorce. Ok, le temps que les questions arrivent, j'ai une question que certainement beaucoup de personnes aussi se poseraient. C'est l'action de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu qui a cru, enfin je veux dire une personne qui a cru à Jésus, qui confesse de sa bouche comme la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. La question de savoir, est-ce qu'une personne comme telle peut encore passer par la délivrance après cette confession-là, c'est-à-dire, est-ce que le fait de confesser de ma bouche me délivre automatiquement de tous les esprits que j'avais, ou bien il me faut encore un autre processus de plus? Ok, donc merci pour la question du pasteur. Certainement, beaucoup de gens ont également cette question. Mais si quelqu'un appelle, nous pouvons interrompre pour prendre la personne et nous reviendrons sur les questions qui sont dans la salle. Je voudrais d'abord dire aux bien-aimés que il faudrait comprendre une chose dans la prophétie biblique, que quand quelqu'un croit
au Seigneur. Nous disons ici croire véritablement au Seigneur et que cette personne prend la résolution avec Dieu d'abandonner la vie du monde. Cette délivrance-là s'est faite une fois toute la vie. Mais ici, il faut faire attention. Le fait d'avoir abandonné le monde ne veut pas dire que tu as automatiquement abandonné tous les péchés. Donc cette nuance-là, elle est importante. C'est-à-dire que je peux croire au Seigneur aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que tout ce qui m'est lié, tout ce que je portais, devrait m'abandonner immédiatement. Je vais donner une illustration qui est très claire dans les Écritures. Israël est sorti de l'Égypte une fois pour toutes. Il n'est plus rentré. C'est ce que j'explique, croire et sortir. Mais cela n'a pas empêché Israël de pécher pendant la marche jusqu'à arriver à Canaan. Donc nous voulons dire que la délivrance, la racine qui ôte les péchés dans l'homme, Jésus l'a déjà ôté, crucifié sur l'œuvre de la croix. Maintenant, quand nous croyons au Seigneur, nous faisons maintenant une marche avec le Seigneur. Cette marche-là avec le Seigneur permet à ce que, étape par étape, procéder par procéder, pour que la vie du péché puisse nous abandonner complètement. Je vais m'illustrer aussi autrement. Je peux avoir été délivré du vol. J'ai cru au Seigneur, j'ai quitté le monde. Dans ma marche, j'ai abandonné le vol. Je précise toujours que l'homme n'abandonne pas le vol parce qu'il veut. Quand bien même qu'il veut, mais si l'Éternel ne l'aide pas, il ne peut pas abandonner. Voilà pourquoi dans la marche de tout enfant de Dieu, il doit compter sur l'aide de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons toujours dit aux bien-aimés, quand vous avez des faiblesses, il faut aussi prier pour que Dieu t'aide. De la même manière que tu pries pour que Dieu puisse ôter la maladie, les souffrances, de la même manière aussi, il faut que tu pries pour que Dieu puisse t'aider en ôtant les péchés dans ta vie. Maintenant, et ça, c'est un processus jusqu'à ce que nous allons arriver à Cana. Là, je suis sur le plan du péché. Maintenant, je suis maintenant sur le plan des possessions démoniaques. Parce que ça aussi, c'est important. Même les différentes possessions démoniaques, dans la marche pastorale et apostolique, peuvent prendre du temps. C'est-à-dire, quelqu'un peut être possédé par un esprit d'impudicité. C'est un esprit. Il est incapable de se contenir. Vous avez exhorté. Vous avez parlé. Il connaît la parole, mais lui-même est incapable de s'en sortir. Une personne comme celle-là, dans sa marche, il faut. Dans sa marche, il faut qu'il passe par la délivrance. Maintenant, nous voulons dire une chose ici, pasteur Robert. C'est que quand la délivrance est de l'Éternel sur un sujet, cette délivrance-là doit s'opérer une fois pour toutes. Quand c'est Dieu, je donne un exemple. Je suis possédé de l'esprit d'impudicité. Je viens me confier à toi pour que tu pries. Dieu, si c'est Dieu qui te donne mandat de prier pour que cet esprit quitte. Parce qu'ici aussi, beaucoup de gens font des choses que Dieu ne leur a pas donné mandat. Parce que tu m'auras examiné. C'est pourquoi nous croyons que certaines délivrances, avant de les faire, il faut comprendre la situation. Tu examines, tu vois les pour, les contre, les contours, Dieu t'oriente pour que tu pries. Pour cette question, tu pries, l'Éternel doit me délivrer, c'est obligatoire. Mais ceci ne veut pas dire que puisque je suis délivré de l'impudicité, que automatiquement que je suis également délivré de la calomnie. C'est là où j'explique la marche. En d'autres termes, jusqu'à ce que nous arriverons à Cana, la vie de tout enfant de Dieu partira de délivrance en délivrance. De délivrance en délivrance. Donc, toute faiblesse. Maintenant, il y a certains
liens que j'ai toujours appelés des liens sataniques. Vous avez un parent qui est occultiste, qui est allé faire son pacte avec le diable et qui a pris tous les enfants. Il les a confiés dans ce monde des ténèbres. Cette délivrance-là ne doit se faire qu'une seule fois. C'est-à-dire quand vous vous présentez devant l'homme de Dieu et que Dieu l'a orienté, il fait la prière jusqu'à ce que la personne puisse sentir la délivrance. Nous avons certaines personnes, comme certains frères, ils ont cru au Seigneur, mais ces gens-là ont fait des pactes avec le diable, mais ils n'ont jamais confessé. Ces gens-là, malgré le fait qu'ils ont cru au Seigneur, mais ces esprits-là peuvent encore rester dans leur corps parce qu'il faut qu'ils confessent. Il faut qu'ils disent par où ils sont passés. Donc ici, nous expliquons les dimensions les plus élevées de la possession. Hein? Parce qu'il y a des possessions qui s'ancrent, donc qui habitent, qui prennent du temps. Je vais prendre un exemple concret. C'est comme une maladie. Quand vous attrapez un petit virus, dès que vous le combattez immédiatement, il s'en va. Mais si le virus demeure, il va faire ce qu'on appelle en cancer, il va se métastaser. Donc, il se multiplie et devient nombreux dans un corps. Et en ce moment-là, même les traitements pour cette maladie-là va aussi prendre du temps pour que la personne soit délivrée. C'est pareil également pour ce qui est du domaine spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit un jour aux disciples, mais pourquoi nous avons prié pour tous les autres là, les démons sont partis sans problème, mais celui-là, nous avions essayé, il n'est pas parti. Jésus répond, c'est genre des démons. Ah, donc Jésus différencie qu'il y a des démons qui peuvent partir aussi facilement, comme il y a des démons qui ne partent pas facilement. Généralement, les démons qui ne partent pas facilement, ce sont les démons qui ont pris le temps de demeurer dans un corps. Parce que je voudrais ici encore donner un exemple. Tu te promènes la nuit à 2h du matin, tu croises un diabolique, quelqu'un de mauvais esprit, et un esprit se saisit de toi. Si dans les 2-3 jours qui suivent, tu te rends compte que quelque chose ne va pas, et que tu vas consulter un homme de Dieu pour prier pour toi, la délivrance va être aussi facile parce que c'est à peine que tu viens d'entrer en contact avec un démon. Mais si tu demeures avec ça pendant 4 ans, 5 ans, je vais donner un exemple. Les gens qui se masturbent, généralement, la possession de la masturbation ne s'ancre pas quand ils l'ont fait la première ou la deuxième fois. Au fur et à mesure qu'ils prennent plaisir, ils sont en train de nourrir cet esprit. Donc, parce qu'il faut comprendre que l'esprit mauvais se nourrit aussi. De la même manière que ton esprit spirituel se nourrit par la parole, les démons également se nourrissent. Donc, ces genres de délivrances-là, il faut les considérer que, oui, dans la marche de l'Église, la délivrance va rester un processus. Et nous croyons que les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit peuvent comprendre, même en regardant l'Église, que cette chose-là, le temps que ça prend, ça commence à poser un problème qui nécessite une délivrance. Je vais prendre un exemple. Un frère qui va dépasser 40 ans, qui travaille, un bon frère qui a l'argent, mais qui ne se marie pas. Il ne pêche pas, il ne fait pas de péché, mais il ne se marie pas 40 à 45 ans. À un moment donné, le ministre de la parole doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il doit appeler les frères pour lui poser la question, parce que nous croyons que les esprits qui peuvent bloquer l'avancement d'un enfant de Dieu existent. Lui va trouver que c'est normal, alors qu'il y a des esprits mauvais qui peuvent l'empêcher d'accéder à ces choses-là. Et quand il se confie, vous allez voir que vous allez prier et que l'homme va se retrouver facilement et avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là. Oui, vous avez à peu près répondu à cette question. Avant de passer à un autre type de question, parce qu'il y a plusieurs questions qui entrent, il y a quelqu'un qui pose la question... qui voudrait que vous puissiez éclaircir sur c'est quoi un démon, parce que beaucoup de gens ne savent même pas peut-être c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle démon, qu'est-ce qu'on appelle mauvais esprit.
Parce que la question vient de ministre Grâce Révélée, quelque chose comme ça, ouais. Merci beaucoup pour la question. Mais il faut d'abord commencer par considérer que les démons sont tous les serviteurs du diable. Nous allons d'abord commencer par là. Les démons, c'est un esprit, mais un esprit mauvais. Un esprit qui est au service du diable. Je donne d'abord cette première définition. Deuxième élément, pour que l'on sache que c'est un démon, hein, le démon fera en sorte que tu n'atteignes pas ta marche avec le Seigneur. Je voudrais d'abord prendre une illustration dans la Bible, parce que la Bible dit que ce qui arriva à Israël devrait nous servir d'exemple. Je vais commencer par là avant d'entrer dans les domaines spirituels. L'Éternel fait sortir Israël de l'Égypte. Quel est le destin de Dieu pour le peuple? C'est arrivé à Canaan. J'espère que vous me suivez. Donc, ce que Dieu veut pour son peuple, c'est quitter l'Égypte et arriver à Canaan. Mais dans la marche pour arriver à Canaan, Israël va rencontrer des nations qui vont l'empêcher d'atteindre Canaan. Ici, je suis d'abord dans l'exemple. C'est-à-dire que tout peuple qui a empêché Israël d'arriver à Canaan est catégorisé dans la pensée prophétique de l'Écriture comme étant les démons. Ce sont des esprits. C'est pourquoi, quand vous lirez le combat d'Israël avec Amalek, qui était un peuple, dit que le combat avec Amalek sera un combat de génération en génération. Or, aujourd'hui, Israël ne combat pas Amalek. Mais Dieu dit que de génération en génération, ce combat-là existera. Donc, Dieu prend un peuple physique pour identifier le peuple. L'esprit mauvais qui va t'empêcher d'avancer. Donc, par les démons, tout esprit qui t'empêche de vivre la parole. Donc, tout esprit qui t'empêche d'accomplir la parole de Dieu est un démon. C'est très important que nous puissions comprendre cela. C'est pourquoi, tu vois, c'est ici, je sais pourquoi je l'ai dit expressément. Je vais donner un exemple. Vous savez, quand nous disons l'esprit de blocage, c'est un exemple que je donne. Il n'y a pas un esprit qui s'appelle blocage. Non, non, ça n'existe pas. Mais quand nous disons esprit de blocage, nous comprenons, nous, dans l'évangile, quand tu fais l'impudicité, en fait, c'est l'esprit d'impudicité qui te bloque pour aller vers Dieu. Je donne un exemple. La Bible dit, je voudrais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Okay? Dieu voudrait que même ses enfants puissent prospérer. Maintenant, pour prospérer, il faut, je donne un exemple, il faut que tu étudies par exemple. Il faut que tu fasses du business. Il faut que tu réussisses dans tes entreprises pour atteindre une forme de prospérité pour accomplir l'écriture. Ici, nous ne disons pas que nous sommes à la recherche de la prospérité matérielle, mais David avait dit, Dieu, ne fais pas de moi trop riche de peur que je puisse m'écarter de toi, mais ne fais pas de moi non plus pauvre, parce que si je manque, je vais également te maudire. Donc, vous comprenez que dans la vision de Dieu, nous ne pouvons pas manger manquer à manger ni à boire ou loger. On ne peut pas manquer ces choses-là. Maintenant, je prends un exemple qui est tout à fait simple. Tu as fini chaque fois que tu vas rechercher le travail, parce que la prospérité ne peut pas venir par la prière. Chaque fois que tu vas rechercher le travail, on te refuse le travail. Donc, tu comprends qu'il y a un esprit qui t'empêche d'accéder à ce travail, parce que quand tu pars du travail, certainement que tu vas payer tout ce que tu as besoin. Donc, et t'empêche de t'épanouir avec le Seigneur. Je parle aux enfants de Dieu. Donc,
ce sont ces esprits-là que nous appelons des démons. Mais je vais quand même les catégoriser. C'est très important parce que c'est un sujet très gros. Vraiment très, très gros. On ne peut pas les dire en 3 minutes. Mais nous avons également des démons comme des entités diaboliques. Ça, ça existe. De la même manière que nous croyons que l'Esprit de Dieu habite en nous, de la même manière, l'esprit du diable habite dans quelqu'un. Je vais encore ajouter un autre élément très important. De la même manière que nous croyons qu'il existe des fils de Dieu, parce que toi, tu crois que tu es fils de Dieu. De la même manière, nous avons les enfants, les fils du diable, les serviteurs du diable, les gens qui ont véritablement fait un pacte avec le diable, qui ont livré leur âme au diable. Ces gens-là aussi sont des démons. Alors, il faut faire attention dans la catégorisation des possessions. Parce qu'il y a des possessions où, quand les démons entrent en toi, même ta physionomie naturelle change. Je peux donner l'exemple du fou de Gadara. La Bible dit que c'était les démons qui étaient en lui, qui faisaient de lui comme ça. Nous pouvons ajouter, il y a une fille qui faisait l'épilepsie dans la Bible. Donc, ça, ce sont des possessions d'un démon qui est dans un corps. Où on pose la question, comment tu t'appelles? Il répond, je m'appelle Légion. Ouais. Donc, ce sont des catégorisations des possessions. Et je voudrais dire aux frères et aux sœurs qui nous suivent, c'est pourquoi nous conseillons qu'il y a certaines fréquentations où quand tu entres, tu rentres vraiment en possession avec ces entités. Ces entités-là peuvent complètement bouleverser et compliquer ta vie. Donc, c'est très important de pouvoir remarquer ces choses-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question du frère. Donc, mais de façon générale, les démons sont tous les esprits qui ne sont pas de Dieu et qui t'empêchent d'accéder à la parole de Dieu ou à la destinée que Dieu a prévu pour ta vie. Voilà un peu quoi. Merci docteur. Donc, pour rester dans le même thème, je suis en train de mettre en fonction des thèmes les questions. Il y a quelqu'un qui pose la question pour savoir, il dit, et quand les sorciers, toujours pour rester dans le même thème, et quand il y a des sorciers ou des agents du diable qui se réunissent avec nous dans une assemblée, est-ce que Dieu entend leurs prières aussi? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut commencer par définir la prière. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Commençons d'abord par là. Ok? Donc, je voudrais même aller plus loin. Même quand nous nous réunissons et qu'au milieu de nous, il y a un impudique qui ne s'est pas encore converti, même sa prière, Dieu ne l'écoute pas. Parce qu'il faut savoir qu'avant que Dieu n'écoute la prière de quelqu'un, il faut d'abord que cet homme soit en règle avec Dieu. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, vous élevez vos mains vers moi, vous m'implorez, mais je ne vous écoute pas. Et la Bible répond, pourquoi je ne vous écoute pas? Parce que vos mains sont pleines de sang. Cela ne veut pas dire qu'ils ont les mains comme ça, remplies de sang. Cela veut dire tout simplement qu'ils sont dans les péchés. Ici, je voudrais dire à beaucoup de frères, parce qu'ils pensent que prier, c'est juste une habitude, une formule. En fait, tout celui qui vit dans les péchés, Dieu ne l'écoute jamais. Donc, commençons d'abord par là. Même quand nous nous réunissons et que toi, tu viens, tu as insulté quelqu'un, tu t'es bagarré, tu rentres là-bas, même quand tu pries, en fait, c'est nous qui entendons que tu pries, mais en fait, Dieu ne prête même pas l'oreille à ta prière. Donc, Dieu, avant d'écouter la prière de quelqu'un, la première chose, c'est la conversion et la repentance. Voilà pourquoi, dans la disposition du temple, on a mis le pain des propositions dans le lieu saint, on a mis l'autel de sacrifice au parvis, pour que quand quelqu'un vient, il faut d'abord qu'il s'identifie à la mort de Jésus, c'est-à-dire qu'il devienne d'abord pur, qui se sanctifie, c'est alors qu'il peut aller manger le pain qui est dans le lieu très saint. C'est comme ça que Dieu a disposé le tabernacle, c'est comme ça qu'il a disposé le temple. Voilà pourquoi nous disons que
L'Église commence d'abord par la conversion. Maintenant, ajoutons une écriture par rapport à la question. Si le sorcier vient au milieu de nous, pendant que nous prions, certainement que le sorcier ne vient pas prier. Le sorcier, lui, il vient pour nous envoûter. Maintenant, il y a un problème que j'ai toujours voulu que les frères comprennent. Prenez-moi Psaume chapitre 1er. On peut commencer par le premier verset. Psaume chapitre 1er, lisons les premiers versets. Psaume, premier chapitre, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Continue, mon frère. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le verset qui vient. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Voilà. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Vous voyez, frère? Ça, c'est la foi. L'Église, c'est un endroit qui reçoit tous les pécheurs. Mais pour quel but? C'est pour que les pécheurs se convertissent. Donc, les gens qui disent que non, l'Église, c'est l'endroit où on peut recevoir les voleurs, les impudiques, les calomniateurs, tout ce monde-là. Nous disons oui. Mais pour quelle finalité? C'est pour que ces gens-là soient transformés. Donc, si nous avons au milieu de nous un sorcier qui demeure année après année et qu'il ne nous quitte pas, c'est que nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Ou alors, l'exercice des dons ne s'opère pas dans cette église, frère. Je voudrais dire une chose ici. Frère, vous savez, quand quelqu'un est possédé et qu'il n'a pas l'intention de se convertir, parce que, ça je ne voudrais pas dire pour ne pas susciter des questions, parce que j'ai toujours pensé que la sorcellerie est liée à l'âme de la personne, mais essayons de ne pas entrer dans ces domaines-là pour ne pas susciter beaucoup de questions. Okay? Et que les sorciers viennent au milieu de nous et que nous ne servons pas Dieu dans la vérité, ces sorciers, on ne peut pas les voir. Donc, c'est pourquoi l'Église a besoin des prophètes. Pas nécessairement des prophètes qui sont là pour nous dire que tu auras des maisons, que tu vas te marier. Non, que les prophètes également soient capables de nous dire, tu vois telle sœur. Dieu me montre que c'est une sorcière. Et je vous dis, frère, l'Éternel expose. C'est ce que Psaume dit. Le méchant ne peut pas résister dans une assemblée de saints. Ici, l'assemblée des saints, je ne parle pas de la communauté des gens qui se réunissent. C'est-à-dire des gens qui craignent Dieu. Si nous continuons à craindre Dieu et nous avons nos genoux à terre, nous servons Dieu dans la sincérité, un sorcier finit par partir. Parce qu'il cherchera par tous les moyens de nous combattre. Il ne trouvera pas. Et petit à petit, Dieu va l'exposer. Et si nous avons des frères et des sœurs concentrés dans la prière, ils peuvent le voir. Et quand ils le verront, l'Éternel se chargera pour que ces gens nous quittent. Mais nous ne pouvons pas nous lever, chasser un sorcier. Nous ne pouvons pas. Mais lui, il quittera parce qu'il ne veut pas se convertir. Mais si la puissance de Dieu est forte, et que Dieu avait prédestiné cet homme à se convertir, il viendra, il va se convertir. C'est un exemple. Je prends un occultiste, parce qu'un occultiste, c'est aussi un autre sorcier. Parce qu'un occultiste, il peut commander des démons. Donc, quand il vient dans un culte, il y vient pour nous envoûter. Il faut savoir, frère, que les mauvais sorts existent. Je crois qu'on peut lire cette écriture-là dans les livres des Nombres, souffrez, hein?
je voudrais aller trouver cette écriture-là avec l'aide du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les envoûteurs n'existent pas. Frère, ça existe. Tu verras quelqu'un qui est derrière toi. Il s'acharne sur toi sans but, sans raison. Toi, tu trouves que c'est normal. Non, non. Attends, je vais vous donner une écriture. Avec votre permission, bien entendu. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Donc, je crois que c'est entre Esaïe ou Nombre, je vais les trouver. Attendez. Je ne sais pas. Souffrez, hein. Donc, l'écriture dit les enchantements ne peut rien contre Jacob. C'est cette écriture-là que je cherche. Attendez, je ne sais pas. Les enchantements ne peuvent rien contre Jacob. C'est cette écriture-là que je cherche. Je crois que c'était à propos de Balaam. Hein? Ça devrait être dans les livres de Nombre, je crois. C'est Balaam qui le disait. Nombre 23-23. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, je savais qu'il est quelque part là dans Nombre. Mais vous savez, je vous ai toujours dit que moi, je bloque pas beaucoup les versets. On prend Nombre chapitre 23, le verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Mon bien-aimé, tu l'as trouvé, tu peux dire. Nombre 23, le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous voyez? Donc, la Bible reconnaît qu'on peut vous envoûter. Alors, celui qui n'est pas spirituel, il ne peut pas comprendre comment on est en train de l'envoûter. Donc, il y a des gens qui vivent dans des conflits, dans des discussions, dans des... Ils te cherchent, comme on dit... En Afrique, ils te cherchent palabre pour rien. Des fois, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces frères? Ils ne m'abandonnent pas. En réalité, c'est un envoûteur. C'est un quelqu'un qui te jette un mauvais sort. Alors, dans ces cas-là, si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, ici, je voudrais rappeler aux bien-aimés que ce qui fait le défaut dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de philosophes que des hommes spirituels. Beaucoup de nos assemblées sont devenues une école de philosophie que des hommes spirituels, on ne trouve plus la place du Saint-Esprit. On ne voit plus la manifestation du fruit de l'Esprit. Parce que si les gens étaient concentrés dans la prière et qu'ils craignaient Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. On ne peut pas concevoir que parmi les prédicateurs qu'il y ait un sorcier. C'est-à-dire, quelque chose ne va pas dans cette église-là. Comment Dieu a permis qu'un sorcier soit prédicateur au milieu de vous pendant des années? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Donc, nous disons, Dieu n'a jamais écouté la prière d'un sorcier. On ne peut pas prêcher comme ça. C'est un sorcier. C'est un serviteur du diable. Comment Dieu va écouter sa prière? À moins que... Nous disons pour un sorcier, même s'il prie par lui-même, que Dieu puisse l'aider, tant qu'il n'aura pas vu un serviteur de Dieu et qu'il n'aura pas confessé, Dieu ne peut pas lui pardonner comme ça. Ok, merci pasteur, docteur. Là, il y a tellement de questions sur... Il y a beaucoup d'engouement, en tout cas, sur le combat spirituel. On va juste ouvrir une petite parenthèse pour deux ou trois questions sur d'autres thèmes. Ok. Afin que tout, qu'il n'y ait pas de personnes qui se sentent lésées. Il y a le frère John Kibangu qui posait la question de savoir, il a dit comment, mais je pense dans l'esprit de la question, il voulait dire, c'est quoi pécher contre le Saint-Esprit? Ah. Après, nous allons revenir au combat spirituel. Je vais aller très doucement pour que les gens comprennent c'est quoi pécher contre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit, le Saint-Esprit est un sceau. Un gage pour notre salut. C'est-à-dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être sauvé. Je crois que là, vous allez comprendre. Donc, en d'autres termes, pécher contre le Saint-Esprit veut dire tout simplement ne pas avoir le Saint-Esprit.
Parce que on dit, pour celui qui a péché contre le Saint-Esprit, point de pardon. Or, quand tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas être sauvé. Ne vous en faites pas, ma soeur Rebecca, je vais encore donner d'autres éléments. Pécher contre le Saint-Esprit veut dire refuser le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, mais jusque-là, je ne comprends toujours pas. Ça signifie quoi, pécher contre le Saint-Esprit? Je vous avais dit quand j'avais commencé que si Christ n'était pas mort et ressuscité, le Saint-Esprit ne serait pas venu. En d'autres termes, celui qui refuse Jésus, il refuse de recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, prêchez-leur la parole, baptisez-les, alors ils recevront les dons du Saint-Esprit. Je répète ça. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit si premièrement il n'a pas reçu la parole. C'est la parole qui produit le Saint-Esprit. Ça, il faut que les bien-aimés comprennent. C'est pourquoi nous disons toujours que si l'Église ne met pas l'importance sur la compréhension de la parole, la saisie de la parole, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais donner un exemple. Jésus enseigne d'abord les disciples pendant 3 ans et demi. Ils ont d'abord écouté la parole. Après, il leur dit, attendez maintenant, vous aurez le Saint-Esprit. Et lui, le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est ce que la Bible dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. En d'autres termes, donc sans la parole, le Saint-Esprit n'a pas de travail à faire. Donc, il ne peut venir que là où il y a la parole, parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que la parole dit. Donc, nous plaçons la parole en aval. C'est-à-dire au début, c'est pourquoi l'évangile commence toujours par annoncer la parole. Parce que si on n'annonce pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais ajouter un autre élément. C'est pourquoi même Pierre, le jour de la Pentecôte, il se met debout, il y prêche. Pendant que Pierre est en train de prêcher, les gens écoutent et posent la question. Que devons-nous faire? Pierre répond, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, vous croyez d'abord à la parole et la parole produit le Saint-Esprit. En d'autres termes, puisque le péché contre le Saint-Esprit veut dire que tu ne peux plus être sauvé, nous comprenons que péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser la parole. En d'autres termes, tout celui qui refuse de croire à la parole, il est en train de pécher contre le Saint-Esprit. Et tant qu'il n'acceptera pas la parole, il n'y a pas de pardon. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le pardon, c'est comme un savon qui se répand sur toi pour te nettoyer. Beaucoup de gens ont cet entendement. Non, non. Le fait seulement que nous croyons à la parole, nous avons le pardon. C'est-à-dire que la croyance à la parole nous fait accéder dans la demeure de Dieu. Une fois que nous sommes dans la demeure de Dieu, pour que Dieu soit rassuré que nous lui appartenons, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le sceau, qui est le gage de notre salut, il tombe. Mais on ne peut pas cacheter sur un livre dont on n'a pas écrit. Vous voyez, donc pour qu'on mette les sceaux sur un livre, on écrit d'abord, ensuite on met les sceaux. Donc nous comprenons que l'écriture ici, c'est la parole, ensuite les dons du Saint-Esprit. Donc quand la Bible dit blasphémer contre les saints, s'il n'y a pas de pardon, il ne faut pas réfléchir en français. Parce que beaucoup de gens réfléchissent en français. Quelqu'un peut être en train de prier en langue. Toi, tu te moques de ça. Ce n'est pas ça pécher contre les Saint-Esprit. Parce que demain, tu pourras croire et marcher avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on a, on a tendance à faire peur aux gens. Non, fais attention, hein, tu risques de pécher contre. Non, 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 ça, ce n'est pas péché. C'est pourquoi l'Écriture dit, pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Parce que si vous endurcissez que vous ne croyez pas, il n'y a point de salut. Donc, en réalité, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails,
Celui qui refuse de croire, il vient de pécher contre le Saint-Esprit. Et si tu ne crois pas jusqu'à ta mort, tu ne peux pas être sauvé. Quand on prêche l'évangile, celui qui n'a pas l'habitude de se plier à ce que la parole de Dieu dit, très dangereux,